Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment router le téléphone Wiko Rainbow 4G qui tourne sur Android KitKat sans utilisation de PC, mais juste avec une application dite KingRoot APK. Les détails juste après la pause. Alors pour ce faire, premièrement, il faut aller sur paramètres de votre téléphone. Exactement sur sécurité. Et accéder. Puis vous allez chercher ici sources inconnues et vous allez les activer. Afin d'installer les applications qui sont hors de Play Store. Alors pour connaître le modèle de votre téléphone, vous allez venir ici à propos des téléphones. Et vous allez y accéder. Pour mon cas, j'ai ici donc nom des modèles Rainbow 4G, version d'Android 4.4.2. Après, vous allez sur cette page. Le lien, vous le trouverez dans mon site et le lien de mon site, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Puis, vous allez cliquer ici sur télécharger l'application KingRoot. Attention, c'est pas KingRoot, mais c'est KingRoot, version 4.3.2. C'est grâce à cette application que j'ai routé mon téléphone Wiko Rainbow 4G que vous voyez. Alors, si vous utilisez votre PC, vous allez, après le téléchargement, vous allez copier donc l'APK sur votre téléphone. Si vous utilisez directement votre téléphone, vous devez installer une application disponible gratuitement sur Play Store dit ES Explorer qui va vous permettre de trouver facilement le fichier que vous avez téléchargé. Alors on va toucher pour y accéder et voilà, donc vous allez descendre un peu en bas et comme mon cas, voilà, c'est ici KingRoot, l'APK qu'on a téléchargé. Alors pour l'installer, vous allez la toucher deux fois, vous allez venir ici et toucher installer. Puis vous allez toucher installer. Alors vous allez avoir ce message puisque c'est un APK. Donc il n'y a aucun danger. Vous allez venir ici et toucher là. Puis vous allez toucher installer quand même. Risqué. Ce message vous allez le recevoir puisque vous êtes en train d'installer une application de type APK. Alors voilà, une fois que vous avez installé KingRoot, vous allez le toucher sur raccourci deux fois pour y accéder. Pour ma part, j'ai ici routé. C'est à l'aide de cette APK que j'ai routé mon téléphone, je le répète. C'est sûr et garanti. Alors pour moi, j'ai ici le message aller au mode super utilisateur. Pour votre cas, vous allez cliquer ici, vous allez trouver ici router votre appareil. Vous allez toucher ici router l'appareil et après vous allez remarquer ici l'avancement de l'installation du root en pourcentage. Ça va aller jusqu'à 5-6 minutes et après votre téléphone sera routé avec cette méthode qui est sûre et très facile et très simple. Puis vous allez, donc pour être sûr, vous allez trouver cette application dite SuperUser qui s'installe automatiquement après que vous installez, donc vous activez le root. Et cette application, c'est elle qui gère les autorisations root. Quand une application vous demande l'autorisation root, c'est à l'aide, c'est cette application qui va vous proposer est-ce d'accepter ou d'autoriser l'application à utiliser le root. Donc comme vous remarquez, c'est une méthode très simple. Très facile à utiliser. Vous pouvez l'essayer sur tous les modèles de Wiko, mais je pense pas pour les plus nouveaux, peut-être que c'est un peu difficile, qu'il faut utiliser le CF autoroute. Pour vous pouvez l'essayer même pour d'autres marques de téléphone telles que Huawei et autres. Donc, et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires si ça marche avec vous ou non. Mais ce qui est sûr, qu'elle marche à 100% pour Wiko Rainbow 4G, celui que vous voyez ici. Alors, moi, j'ai pas essayé pour les autres marques et les autres modèles, tout simplement parce que je ne les possède pas. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.